Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le lancement de Monster Hunter World où aujourd'hui on va avoir deux équipes, l'équipe Os et l'équipe Insecte, qui vont s'affronter sur des défis culinaires pour cette première épreuve. Ils vont devoir goûter des ingrédients et réussir à deviner ce que c'est, mais ils vont également devoir cuisiner. On va voir lequel s'en sort le mieux. C'est dans quelques instants, on va aller les retrouver. Et on est parti pour cette première épreuve du coup de dégustation. D'abord, je vais commencer par vous présenter un petit peu nos deux équipes, puisqu'on a ici Link et Hugo qui vont incarner l'équipe Insecte. Oui. Alors déjà, on a un petit souci, puisque vous êtes censés être trois. Tout à fait. Il en manque un. Si quelqu'un m'entend, j'ai perdu mon ami, mon binôme. Quelqu'un sait, on m'appelle, quoi. Je sais pas où il est. De l'autre côté, on a l'équipe Os, du coup, avec Sky, Karl et Jiraya. Vous êtes chaud en cuisine ou pas? J'adore la dégustation, donc... T'es chaud en dégustation, mais pas en cuisine. Ouais, lui est en dégustation. C'est un peu le domaine de ma chaîne, donc je suis chaud. Là, vous avez trois plats qui sont juste devant vous sur cette table. Vous allez devoir, évidemment, les goûter. Vous allez devoir deviner ce que c'est. On les voit, mais on comprend pas forcément ce que c'est au premier regard. C'est des plats qui ont été... Ça ressemble un peu à des curly, effectivement. C'est des plats qui ont été préparés par le chef Christophe. Est-ce que tu peux nous... Chef Christophe, c'est pour vous. Hein. Bon courage. Donc, on espère que tu as bien. Le bon courage, bien à côté de moi. On est d'accord, tout ça est totalement mangeable. Il n'y a pas de. Tout de ça est dégueulasse. On est d'accord par nous, donc oui, pas de problème. T'as été sympa avec eux. Du coup, vu qu'il y en a à peu près assez pour tout le monde, je pense que vous allez du coup tous pouvoir manger en même temps. Ah, super. Ah, c'est chance. Un autre fin. Donc, il n'y aura pas de, jaloux. On va pouvoir voir directement sur vos tronches si vous aimez ou pas du tout. Et puis, je te propose de commencer. Le seul arabe du groupe. Ça n'a aucune odeur. Ça croque comme une pomme. Ah, ça sèche la bouche, ce truc. Où est ma salive? Non. Mais ça peut être un peu plus mûr et ça sera moins stressant. C'est un fou. C'était moins drôle, là c'est plus... Donc, là, c'est vraiment... Ah, c'est méga bon. Et... Je vous recommande, chef Christophe. C'est ce qu'il y a de mieux sur la table. Oui, bah. Ah ouais, ah, les, ah tu vas passer un bon moment. C'est une espèce de melon. Tu n'as rien fait, non. J'essaie de comprendre. T'en veux d'ailleurs, peut-être. Je te laisse finir. Moi, je veux pas. Pourquoi ça sèche? J'ai fini. Ouais, ça a un côté très astringent, en fait. C'est le terme qu'on trouve. Manque un peu. Parce que c'est un cousin d'un fruit que nous on connaît. Arrêtez avec un les cousins. Pourquoi tu veux vraiment les cousins tout le temps? C'est moi, c'est la famille. Je vais vous donner un indice. C'est aussi une couleur. C'est vert. Il se trouve que c'est un dérivé du vert. Il y a quelqu'un dedans. Kaki. Et c'est le kaki. Oh là là. Ah bah yes. Ah c'est ça le kaki. C'est ça le kaki. Sur le deuxième aliment. Qui ressemble clairement à des chips, en fait. Oui, les chipsters, ouais, je connais. Ouais, c'est ça, c'est du blé sonné. Non, mais c'est un mensonge. Allez-y. Alors, prends-en une petite. Hein. Du coup, il a mis. Tout à l'heure, il a pris plus gros, là, il est en train de. Ouais, là, on réfléchit. Moi, ça part sur. Non, ça, vas-y. C'est bon, en vrai. Non, c'est pas bon. Est-ce que c'est un animal? Oui. Ok, d'accord. Ah, des couilles de bœuf. C'est un peu le goût des pipas, là, tu vois. Ah, c'est dégueulasse. Ça chauffe. Non, c'est chaud. Il a dit quoi? Pas couilles. Pas couilles. Pas couilles du tout. Du foie de bœuf. Toi, t'es particulier. Ouais, chelou, hein. C'est très bizarre. Du foie de bœuf, le truc, il a rien à voir. T'imagines mon niveau en cuisine qui est vraiment égal à zéro. Je suis en train de me poser des questions, c'est pour après. Ouais, tu vas te marrer, tu vas rigoler. La vésicule biliaire de je sais pas quoi. Non, du cœur. Là, si vous avez l'animal, on est bien. Et après, la manière de le cuire, vous avez compris. C'est pas du poisson. Non. De la peau de poulet. On se rapproche de quelque chose. Les couilles de coq. Non, on a dit pas de couilles. La crête, on a dit pas de couilles. Oubliez les parties, juste l'animal. Juste l'animal. C'est une volaille. Le dindon. Non, c'est pas une volaille. Du canard. Pas du tout, c'est pas une volaille. C'est pas une volaille. Ils ont chier, lapin, merde. C'est quand même un truc qu'on n'achète pas tous les matins. Quoi. Bah ouais, apparemment. C'est rare. Si, c'est l'une des viandes les plus consommées en France, c'est du porc. Ah. Donc ce sont, bien entendu, des oreilles, un museau de porc qui a séché au soleil quelques temps. Qui a bronzé. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est des rognons. Bah vas-y, Adelé. C'est juste la couenne du porc. En fait, ce que vous avez sur le lard, qui est cuit, détaillé, et ensuite frit pour que ça souffle. Du coup, deuxième point pour l'équipe Os, qui prend un petit peu d'avance pour pouvoir se réveiller là-bas. On appelle le porc algérien, l'expert. Ouais, voilà, c'est numérique. Là, on vous aide. On l'a avant-après. Avant-après. C'est du serpent, ça. Ah ouais. La queue de castor, ça. Oui, c'est du serpent, ça, non? Parce que ça de vous sucer un petit peu. C'est pas mauvais. C'est sucré. Ouais, de la peau de serpent frite. Bien joué. C'est du serpent. Bien joué, man. C'est le truc que tu pensais qu'ils trouveraient pas du tout. Et en fait, ils ont trouvé le... C'est du serpent, après mais c'est que t'as dit c'est Monster Hunter. C'est le meilleur, je pense. Non, mais c'est pas grave, je lui donne le... En vrai, c'est le meilleur. Il y a un arrière-goût, ce serait bien de manger du dentifrice. C'est pas un chien. Bon, 2-1, du coup, sur la découverte des aliments que vous pouvez visuellement voir, du coup. Mais maintenant, il va falloir...
J'ai le la chips qui est de mieux à passer. Ouais. Moi aussi. Maintenant, il va falloir voir comment vous en sortez sur des aliments que vous ne voyez pas. De l'eau. Ah merde, c'est pas fini. Ça va pas être évident. Ah, c'est pas fini. On va faire une petite pause du coup pour prendre un verre d'eau et ensuite on va passer justement à l'épreuve où cette fois-ci on aura les yeux complètement rouges. On est de retour pour la deuxième épreuve sur cet atelier culinaire. Cette fois-ci, vous allez devoir goûter encore une fois des ingrédients et deviner ce que c'est. Mais cette fois-ci, vous allez avoir les yeux bandés. Donc peut-être que ça va être des ingrédients, j'ai envie de dire pire. Du coup, on a ici des petits bandes qu'on va pouvoir vous mettre évidemment sur les yeux. Mais on n'en a pas pour tout le monde, ce qui fait que va falloir sélectionner qui se fait bander les yeux dans chaque équipe. Mais pourquoi ce serait moi qui sais pas. Ça rapporte tous les points à l'équipe et c'est justement. J'ai rien, je te propose, on fait comme ça. Et celui qui perd, tous les trois. L'équipe Oz va commencer, vous êtes plus nombreux donc je vous laisse discuter. On fait juste un zim-zam zoom. Un zim-zam zoom, celui qui est tout seul, il va commencer. Ça ou ça. Dans les arbres. Ne tentez pas, ça va aller. Arrête, c'est toi qui passes en première. Mais moi, les fessées, Hugo. Parle-moi mal. Oui, on va tout passer en première. Tout le monde va y passer. Tu vois rien, c'est bon. Pas forcément. Changeons de jeu. C'est bon ? Vas-y. Ça, c'est les mains de Gigi, ça. Ok, c'est bon, c'est nickel. Monsieur Gris. C'est pas la première fois. Les autres derrière, vous pouvez réagir, bien sûr, sans dire ce que c'est. Est-ce que c'est... Est-ce que vous pouvez me donner des indices sur la consistance ou... Non. Ne me dites rien. Ils peuvent juste réagir, mais ils te donneront aucun indice. Ah non, ça va pas, non. Non. Attends, calme-toi. Attention, ça bouge un petit peu, mais... Ça bouge ? C'est vivant. Non, c'est sérieux ? Non, c'est pas vrai, arrête. T'es sérieux ? Tu tiens que la tête. C'est de la viande, ça sort. C'est vivant, ouais. Non, ça se décompose. Oh, ça va, c'est bon. On dirait deux boulettes de viande qu'on mélange avec des épices. C'est pas celle de ma grand-mère. Hein. Est-ce que c'est une viande qu'on connaît? Oui. Je le lèche pour pas le manger. Mais arrête, c'est pour pas découper. Ça va être beaucoup plus long. Regarde là, s'il le lèche, c'est un Mr. Freeze. Mr. Freeze Gouvian. T'en veux un autre peut-être? Apparemment, t'as kiffé. Il y a de l'ail dedans. Enfin, il y a des oignons. Oui, il y a des oignons de l'ail. Du cheval. On a déjà fait la même histoire tout à l'heure. Du porc. Et c'est du porc, effectivement. Mais non. On connaît ça. Ça, bien joué. C'est du porc, ça. En fait, ce sont des nems asiatiques. C'est de la viande de porc. Tu as dit boulettes de viande, c'est ça. Avec du piment, de l'ail, de l'assaisonnement. Et c'est macéré, en fait. C'est le même principe que ce qu'on fait nous sur le saucisson sec. Ça va, c'est de la charcuterie. T'as vu, je suis un gamer à la base. Non, mais c'est pas moche. On va partir sur le deuxième ingrédient. Juste avant, petit récapitulatif des points. Du coup, vous avez eu 2 points pendant la première partie. Eux, ils ont eu 1 point pendant la première partie et ils viennent de remporter 1 sur les monstres. La partie cachée. Moi, j'ai peur en tout cas. Je te le dis. C'est une bonne idée. Ça, c'est ta main. Je te la rends. Ouais. Mais arrête de trembler. J'ai peur. Ça va. C'est une cuillère. Tu tiens une cuillère. Moi, je suis venu pour faire du gaming. Ouais. C'est une odeur. Ça sent les égouts. Les égouts. Ah. Ça pue la merde. Dis pas ça de la nourriture. Non. T'as fait que lécher pour l'instant ? Oui. Bien joué. Allez, Sky. Mais je peux pas dire ce que c'est parce que même moi je sais pas. Ah, t'as tout mangé. Sky, Koh Lanta. Ok. C'est un poisson. Il est dans ta bouche. Presque. En tout cas, c'est son. On sent bien la mer là. Là, je sens c'est extrêmement iodé. Chef. Oui. Parce que c'est pas de l'oursin, mais du. Un point. Mais il est trop fort. Il a dit quoi ? Il est là. C'est l'oursin. Bravo. Il est là. Là. Je regarde souvent les émissions de cuisine. C'est vrai que l'oursin, on avait dit dans une émission que c'était super iodé. Eh bah bien, bien joué, parce que du coup, ça vous permet de repasser au score. Vous avez 3 super points maintenant, alors qu'ils n'en ont que 2. Oh, ça brise de cœur. Vous êtes 3 et vous marquez moins de points. Mais j'aurais aimé regoûter, en fait. J'ai pas eu le temps. C'est dommage. Mais tu sais quoi, Sky ? Tu peux te rattraper, je te laisse. C'est pour ça. Non, le meilleur arrive. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiens, mais. Shifumi. Ah. Du coup tu peux remettre ton bandeau. Tu n'aurais même pas dû l'enlever. Bon là c'est le dernier ingrédient du coup qu'on va vous faire goûter. Après on va passer à une autre épreuve où il va falloir cuisiner. Là il va falloir deviner encore une fois ce que c'est avec les yeux bandés. Et pour le moment c'est Link et Hugo qui ont un peu d'avance au score. Pourquoi vous rigolez? Mais vous pouvez égaliser. Pourquoi vous rigolez? Oh, c'est la merde. Oh, ça craint. Bien fait. T'aurais dû faire le premier, j'en étais sûr. Ça se mange ? On va faire des tout grosses... ce qu'on vous donne se mange. On va faire des grosses pâtes. On n'est pas là pour vous rendre malade. Ça a l'air... Non, ça a l'air vachement bon. Ça va, Gigi ? Dégueulasse, juste vous entendez rigoler. Non, vous laissez pas influencer, franchement. Laissez-le influencer, franchement. Le doigt de la cuillère, le franchement, c'est du caramel, à mon avis. Mais c'est pas influencer. Ah, tu vois, c'est... Ça a une sale gueule. Ouais, ça, ouais, c'est le bas. Ah, putain, non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ah, d'accord. Je sais ce que c'est, j'en ai déjà mangé, c'est un œuf. Un œuf dégueulasse là qui a moissonné dans les morts, j'en ai mangé au Japon, c'est immonde. Oh, t'es un monstre! T'es un monstre! Mais non, mais pourquoi il parle? Ok, c'était ça. Putain, il avait pas encore commencé à parler. T'es un monstre!
Ce sont des œufs de 100 ans. Les œufs de 100 ans. Ouais. Et j'en ai mangé au Japon et c'était moyen. Là, c'est... Pour pas dire que t'avais vraiment. Là, c'est moyen plus quand même. Ouais, c'est un œuf pourri quoi. Ah non, pas du tout. Non, c'est un œuf de 100 ans. C'est pas la même chose. En fait, on le garde dans du sable, de la chaux, de la paille. Et ça permet de garder les œufs plus longs. Mais c'est pas 100 ans, c'est genre 2 semaines. Non, c'est quelques semaines, oui, bien sûr. Oui, non, c'est 100 ans. 100 ans. 100 ans, tu passes un mauvais moment. Ça fait ça au départ et ensuite ils sont cuits. Ils sont cuits et calés. Bon, du coup, égalisation. Et écoute, ça y est. Vous aimez? Non. On a terminé du coup pour cette première épreuve. Vous êtes tous bien débrouillés puisqu'on a 3 points du côté de la team insecte, 3 points du côté de la team os. De la team Jiraya. La team Jiraya, on peut le dire. Hein, soyons des monnaies, on va faire des mots. On va changer d'emplacement. A tout de suite. Je suis ravi. Ok, waouh. Merci. A few moments later. Bienvenue dans la jungle, comme dirait un certain groupe de rock. On va accueillir Link et Terracid qui vont venir. Ils sont, je vous rappelle, la team Insect et ils mènent 7 à 5 contre la team Os. Ils vont arriver dans quelques instants, ils sont en train de se préparer. Et il y aura deux équipes de 4. Et bah, du coup, peut-être qu'on va accueillir le reste des équipes. On va les faire entrer. Alors, du coup, dans la team Insect qui vont accompagner Link et Terracid, il y a leur ami évidemment Hugo Delire qui était déjà là depuis le début de la journée avec eux. Et ils seront accompagnés de Aranok, donc le CM de Monster Hunter. Redoutable joueur qui va les regarder, les conseiller. Et face à eux, évidemment, c'est les potes du stream, c'est la team Os que tu connais bien, Maxime. Ils sont tranquillement en train de se préparer. Effectivement, du côté de la team Os, on aura Jiraya, Skyheart, Karal et Monsieur Hunter, qui est un youtubeur spécialisé sur Monster Hunter. Et est-ce que tout le monde est prêt? Alors, ils vont pour cette chasse au Grand Jagras. Oui, donc on commence. Alors, le Grand Jagras, c'est le premier strum du jeu. Quoi. C'est le premier boss du jeu. Il est pas trop dur, donc c'est vraiment un speedrun. On va vous donner la possibilité de les écouter et de les suivre. Et je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais merde! Oh là là, c'est le bordel. Attention, attaque dans le museau. Oh, c'est bon. Oh, bien joué. Je suis dessus. T'es monté. C'est good. Oh, tu l'as énervé. Oh Damien, je comprends le épée plus bouclier. C'est incroyable. Tu comprends pourquoi c'est génial. Je peux me protéger. Et on peut lui couper la queue celui-là, non Vincent? Pas celui-ci, non. Pas celui-ci. Et il est au sol. C'est dread, on va bourre-le, dire. Bourre-le. Et c'est pas... Oh, oh, c'est explosé. Oh la vache. On aura fait 2 minutes 29. Alors, apparemment, on va enchaîner directement avec un autre monstre. Allez, carrément. Alors c'est une quête 2 étoiles, les quêtes ont plusieurs étoiles et des rankings, 2 étoiles ça va. Ah bah. Allez, bonne chance à vous et maintenant on vous écoute directement via les TeamSpeak. Let's go. Tu sais quelle zone il est généralement ou pas? Il faut trouver les traces quand même, je vous laisse récupérer les traces, c'est à vous de faire le taf un peu. Ah putain, ils l'ont déjà trouvé, après voilà, si on part avec des handicaps, ils ont des PS4 trafiqués, moi j'y pense. Aller vers la droite effectivement, ça va être plus intéressant, normalement il va souvent vers le côté de la plage. Regardez-les, ils l'ont déjà alors que nous, ils se barrent, t'sais. Ils ont de la luck. Ils ont de la luck, voilà. C'est, ça résume ce live. Ouais, non, mais t'inquiète même pas. Donc là, ça va être un petit peu plus long. Tout sera longuement jugé en vidéo. Il est stunné. Oh, il est stun, faut y aller. Oh là, ce qu'on lui met. Oh, quel enfer. Pourquoi? Vous avez tapé un pareil crapaud. Il y a que Skyheart qui peut, vas-y. Vas-y. Je suis toujours déçu, je m'en occupe. On compte sur toi. Ah, le stun là qui dure trop longtemps. Ah, mais t'as vu, c'est où? Allez, mais juste qu'il mérite. Oh, le coup critique à 25, aucune chance encore une fois du joueur français. Ah putain, il boite, c'est nice. Bon. On peut le faire, allez les gars. On s'arrête pas. Le saut t'es mort, reviens. Reviens le duo. On se jure. Il fait une grave erreur. Il va se coucher. Ah, regarde, quoi, il s'est barré. Mais non. Faut viser les fesses, les fesses. Moi je suis fatigué. Je vais essayer de grimper dessus, les gars. Il boite. Oh, c'est bon ça. Faut se dépêcher. Si quelqu'un a une arme à distance. Ouais, attends, j'ai pas un truc à lancer. J'ai mission. Oh non, il a encore son caillou. Merde. On est pas loin en plus. Mais merde. Attends. Attendez. Je lance un peu avant. On lance. Information. Peut-être moyen. On est à 4 timer. Je crois que la team Os a fini avant même en comptant le timer. On va voir. Ça s'est joué à quelques secondes et vous avez lancé avant. Non, mais tu vois, le timer il est inscrit à l'écran de toute façon. Mais à la fin, ça se voit. Alors attends, après, je crois. On attend juste terminer en même temps quasiment. Alors 4-20 pour la team Insect et 4 minutes 11 normalement pour la team Os, si je ne m'abuse. Donc la team Os qui remporte le point. 2 secondes après nous. Et un point de plus pour la team Os du coup qui est à 6 points et qui rattrape un petit peu son retard. Vous avez que 2 points de retard. Et oui, alors on se prépare pour la quête finale. Ça va être un double run. Nous avons 2 monstres à tuer. Il n'y aura pas qu'un Barros, il y aura un petit copain. Okay. En tout cas, les équipes, c'est quand vous voulez, messieurs. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Hyper vitesse. Ah non, ils sont vraiment pile en même temps. Ouais, là, il n'y aura pas. Ils peuvent rien dire.
Capitaine, capitaine. Tu es le chasseur en chef. Je peux pas le capitaine. Je peux pas le poser le piège dans l'eau, c'est vrai. Yes, il reste que dans l'eau celui-là ou pas? Pratiquement. Oh, attention. Je suis dessus. Ah, t'es dessus. Je lave. Vas-y. Il est à terre. Il force t'attaque, je trouve là le R1, enfin R2 triangle. Par contre, je dois aiguiser ma lame. Moi je récupère les. Tout le monde. La régie, je vais venir vous chercher maintenant. Oh, il est pas bien. Allez. On entend, oui, on entend le TS adverse depuis tout à l'heure et c'est on a trop de voix dans la tête quoi. Pareil. Ah, c'est vraiment trop agréable de taper à 4 sur un monstre. Ouais. Allez, on va le foutre par terre. Continue à maraver ce poisson géant là. Ah, j'arrive plus à taper. Ce soir, c'est sushi les gars. Ouais, il est rentré dans l'eau. Alors attendez. Ils l'ont eu. Vous l'avez eu? Vite. Attends, mais nous on est pas ils loin. Ils l'ont eu. Allez, ouais, vite les gars, tapez dessus. Ils ont de l'avance là, y'a pas moyen. Non, mais moi mon arme elle tape plus dessus, je comprends rien. T'es encore en train de le tuer les gars. Les gars, y'a marqué traquer le monstre, c'est celui-là ou pas? Ok, c'est bon. En bas à gauche. Let's go, Gigi. T'es chaud ou pas? Bah, moi je suis méga chaud. Let's go, Karl. Ok, c'est bon les gars, c'est le boss que je connais mieux en vrai. Celui-là il a des patterns simples en vrai. C'est juste, il bouge beaucoup, c'est chiant. Par contre, faut que j'aille derrière du coup, donc désolé. Il me reste une grande bombe, ok. Ouais, il est archi facile à choper les. On est encore en piège. Il est archi facile à choper les. Ouais, et moi les j'ai une bombe. Ok, je pose comme les maman. Tu peux poser un baril maintenant. Maintenant. Ah, mais ils mettent des pièges, c'est pour ça. Il arrive. Vas-y, ils mettent des pièges. Ils mettent des bidons et des pièges. Oh non, la triche, vas-y, posez vos pièges si vous en avez, les gars. Ils ont dit, on a le droit à un piège, un baril. Mais on n'a pas de baril, donc on va mettre au moins un piège. Moi, j'ai des barils. Oh non, pas lui, il est impossible à battre. Son point faible, c'est les mots d'amour. Ah, je suis dans son caca. Ah oui, un bateau. Ah, je sais ce qu'on va faire, les gars. J'ai une idée. On va appeler le Diablo si on va faire des dégâts. Oh la vache, les dégâts que je lui mets avec en rouge. Oh, c'est insane. Il s'en va, non, il s'en va. Restez avec nous. Il est pour le Rocket Studio. Mais putain, mais nous, il est timide sec. Mais non, mais non. Mais non, le bâtard. Il se fout de ma gueule. Oh le bâtard. Mais quel enculé. Il va s'enfuir loin en plus. Mais il se bat, mais gros, il s'en va. Mais il a un télépéage, fils de pute. Oh, ça me pète les burnes. Ah, il prend l'autoroute. On a pas de chance, on a pas de chance. Mais gros, c'est... Oh, arrête de gueuler. On va pas perdre de temps. Non, là, bon, là, voilà. Il va l'enculer. Oh non. Ah, ils ont réussi, dégoûté. Vous avez quand même perdu la compétition. Oui. Là, clairement, je sais même pas comment ils ont fait. Bah, et en fait... Ils ont utilisé beaucoup de pièges au début. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils ont fait, ouais. Non, le Diablos. Oh non. Ah, c'est pas grave, les gars. Ah, c'est passé. Et c'est passé quoi? Est tombé dans vous les pas été tué. Qui a été tué? J'ai du pris coup, un petit coup. Qui a été tué. J'ai pris un petit coup, ça va. Un gars a été tué. Putain, et donc, franchement, ça va. Donc, ils l'ont fait quand même tomber en premier, donc victoire de la team Os. Attends, ils l'ont tombé en premier, mais moi j'ai vu que notre équipe est carrément morte en fait. Oui, et ils n'ont pas fini parce qu'il y a eu 3 morts du côté de la team Insect. Donc, double victoire. Terra est tombé, Link est tombé, je crois, Hugo, je suis pas sûr si Hugo est tombé aussi. Oui, Hugo est tombé une fois, donc voilà. C'était un match qui valait tous les points. Merci à vous, merci à Arnok, merci Monsieur Hunter, merci Mizuti également d'avoir participé à spécialiste. Elle est en train de jouer, elle est à fond dans son truc, il n'y a pas de souci. Merci à Sky, Gigi, à Karl, à Hugo, à Link et Terra, merci à vous d'avoir participé à toute cette journée. Et puis à très bientôt sur Monster Hunter. Merci à Maître Véreux pour les points. Pour défoncer d'autres monstres. Salut Véreux, à tous, merci à toi Lame. Allez, ciao. Et merci aux équipes techniques. Ciao à tous. Bonsoir. Salut. Bye bye. Salut. Ciao. Allez.